Depuis quelques jours, Pierre Palmade a fait le choix volontaire de retourner au service d'addictologie du CHU de Bordeaux. L'humoriste souhaite combattre ses problèmes d'addiction. Malheureusement, selon les témoignages de ceux qui l'ont croisé, l'humoriste semble éprouver de grandes difficultés à surmonter ses épreuves. Pierre Palmade de retour au CHU de Bordeaux, toujours mis en examen homicide et blessures involontaires suite à l'accident de la route qu'il a causé. Pierre Palmade est de retour à l'hôpital de Bordeaux. Une décision prise après sa virée en boîte de nuit. En effet, suite aux réactions controversées dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'humoriste a décidé d'être réintégré au CHU de Bordeaux afin de lutter contre ses démons. Mais, contrairement à sa première période d'hospitalisation, le comédien a maintenant la possibilité de sortir de l'établissement de santé à sa convenance. En revanche, les conditions de son contrôle judiciaire demeurent assez strictes. Par exemple, il lui est formellement interdit de prendre le volant. Il ne doit pas non plus entrer en contact avec les victimes de l'accident ou encore quitter le territoire national. Bien que Pierre Palmade ne prenne jamais la parole dans les médias depuis l'accident qu'il a causé, ceux qui le croisent, notamment ses voisins, n'hésitent pas à évoquer l'affaire et à partager leurs impressions. Récemment, des témoignages de personnes ayant l'occasion de le voir au CHU de Bordeaux ont fait leur apparition. Le comédien très mal en point. Dans un récent article publié par France Dimanche, des témoignages ont été partagés par des personnes ayant eu l'occasion de croiser Pierre Palmade au CHU de Bordeaux. Ces témoins ont décrit un homme profondément troublé, semblant être plongé dans un véritable naufrage émotionnel. Preuve que l'avenir de l'humoriste reste plus qu'incertain. Et surtout, sans signe d'éclaircissement à l'horizon. Reste à savoir si cette nouvelle hospitalisation pourra lui faire du bien. Affaire à suivre.